ra ra a a ra ma ra ma ma ga ga ooh la la what you been romance. Coucou les filles, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc oui, je suis habillée, coiffée, maquillée de la même manière, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu marathon vidéo, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi, donc voilà, j'en profite. Et en plus le soleil est avec nous, donc ça fait du bien. Donc je vous retrouve pour vous faire une revue comparative de deux mascaras de chez Bourjois. Donc le Glamour Max et le Glamour Max Définition. Si vous avez suivi mes tutos, vous savez que le Glamour Max, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment un très très bon mascara. Il fait très très bien son boulot. C'est volume glamour. Il n'y a pas de souci au niveau du volume, mais il y en a. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la brosse du volume Glamour Max, qui est impressionnante. Elle est vraiment très 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 grosse. Elle est pleine de petits poils dans tous les sens. Ce sont des poils, hein, ce ne sont pas des picots. Donc voilà, je la trouve très très bien. Donc je vous mets une petite photo du résultat avec ce mascara. Et je vais vous montrer maintenant la brosse du volume Glamour Max Définition, qui elle est en picot plastique. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc il y a plein de petits picots qui sont pas forcément réguliers, je dirais. On a trois bandes de picots, un trou, trois bandes de picots en fait. Voilà, c'est régulier mais dans ce sens-là. Donc voilà, je vous mets la photo du résultat avec ce mascara. Donc voilà, maintenant je vais vous dire ce que je pense donc de ces deux mascaras. J'adorais celui-là, vraiment, mais vraiment beaucoup beaucoup, je trouvais qu'il était très très bien. Je dirais que celui-là est en train de le détrôner un petit peu. Donc le rose est même en max définition. Ah ben, je suis en train de lire un truc là, que j'avais pas encore vu. Donc le Glamour Max Définition, c'est max, mascara Maxi Brosse 500 picots. Donc il y a 500 picots sur la brosse. Sur celui-là, ils disent quoi? À l'extrait de perles noires. C'est tout. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire, je ne sais plus, bref. Voilà, celui-là est en train de détrôner le Glamour Max. Pourquoi? Parce qu'en plus de donner du volume, il allonge et sépare les cils. Mais vraiment. Avec celui-là, je ne fais pas de pec. Celui-là avait tendance à en faire, il fallait repasser. Parfois même, je prenais un petit goupillon ou la brosse d'un autre mascara pour enlever les paquets, justement. La brosse d'un mascara vide, que j'ai nettoyé et qui est pleine de picots. Et je l'utilisais pour enlever les paquets. Ça m'arrivait. Pas toujours, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Alors que celui-ci, avec les picots, il fait déjà ce boulot-là en lui-même, en fait. Tout seul, j'ai pas besoin d'utiliser autre chose derrière. Donc au niveau de la définition, il n'y a aucun souci, celui-là il est parfait. Par contre, il donne moins de volume que celui-ci. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc j'ai envie de dire qu'ils sont complémentaires en fait. Je me verrais bien mettre une première couche de celui-ci, donc le volume Glamour Max, et terminer avec le volume Glamour Max Définition pour bien définir justement, bien séparer les cils et avoir un fini irréprochable. Donc mon cœur balance. Mais après, si je devais n'en choisir qu'un seul, je suis désolée, je vais être infidèle, mais je pense que je choisirais celui-ci. J'aime les mascaras Bourjois, j'aime beaucoup Bourjois, de toute façon c'est une marque que j'aime beaucoup. Leur mascara plus particulièrement. Et je dois dire que celui-ci... malgré qu'il n'a pas autant de volume que l'autre, il en apporte quand même. Et donc, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-ci. Bon, j'ai les deux, j'ai la chance d'avoir les deux. Donc, je ne sais plus, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que j'ai payé 9 euros. Je crois que c'est ça. Chez Carrefour, 9 euros, je crois. J'en suis pas certaine, mais je crois que c'était ça. Donc, voilà pour ces deux mascaras. Donc, j'adore.
vous dis, le combo des deux est vraiment parfait. Et à n'en choisir qu'un, je prendrais celui-ci. Donc voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo, mais je voulais vraiment vous faire la comparaison. Donc j'espère vous avoir convaincu par ces mascaras-là, parce que je les trouve vraiment parfaits. Enfin, personne, pour moi, je les trouve parfaits. Donc voilà. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et à rejoindre ma page Facebook. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao!